On a beau être à des milliers de kilomètres de la guerre au Proche-Orient, les horreurs qui sévissent là-bas réveillent des blessures jusqu'ici, au Québec. Les tensions sont au plus fort entre pro-israéliens et pro-palestiniens et ça mène à des affrontements qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Malgré les appels au calme, les gestes haineux se sont multipliés depuis le début de la semaine et a dit, c'est notamment le cas à Montréal, on peut dire que le sentiment de sécurité est ébranlé en ce moment. Écoutez, Pierre-Olivier, depuis le 7 octobre, donc fameuse date lors de laquelle le Hamas a attaqué Israël, on assiste à une recrudescence, une hausse vertigineuse donc d'incidents et d'actes haineux, ciblant tantôt la communauté musulmane, ciblant tantôt la communauté juive. Et cette semaine, on a assisté à une aggravation des cas. C'est-à-dire que, écoutez, il y a 48 heures, c'est une synagogue qui a été ciblée par un cocktail Molotov. Ce matin, voilà qu'on apprend que des coups de feu ont été tirés sur des écoles. Alors, comprendrez dans les circonstances, la communauté juive de Montréal est sur le qui-vive actuellement et redoute d'autres actes qui pourraient cibler cette communauté. Retour donc sur cette journée avec le reportage d'Yves Poirier. Simply shock. Shock and horror that it can come to this. C'est le choc et l'horreur. Voilà ce que je ressens aujourd'hui, nous dit ce citoyen montréalais de la communauté juive hassidique, consterné par ces coups de feu tirés dans la nuit de mercredi à jeudi sur cette école du chemin Deakin dans le quartier Côte-des-Neiges. On a obtenu cette photo qui montre les dégâts causés par l'impact d'au moins un projectile. Enough. Enough. We have to calm down. Non loin de là, une deuxième école juive visée sur l'avenue Saint-Kevin. On va rencontrer les personnes, les enquêteurs qui sont en direction pour venir faire l'analyse de la scène. On va vérifier les caméras de surveillance là, pour en savoir un peu plus sur les suspects potentiels. Selon le ministre de l'Éducation, ça ressemble à du terrorisme. Le SPVM n'a pas voulu commenter les propos de M. Drainville. C'est une forme de terrorisme, ça, là. Quand tu commences à tirer sur des écoles, là. Alors, on ne veut pas céder à ça. La montée de la violence depuis une dizaine de jours au Québec inquiète. Adil Sharkawi, qui s'en est remis à Dieu pour justifier ses propos controversés, s'est attiré de vives critiques. En début de semaine, à Dollard-des-Ormeaux, les locaux d'une association juive et une synagogue ont été la cible de cocktails Molotov. Mercredi, à l'Université Concordia, un conflit entre étudiants pro-palestiniens et pro-israéliens a dégénéré. Une jeune femme a été arrêtée pour voie de fait. Et ces événements de coups de feu visant des écoles, plusieurs se demandent où ça va s'arrêter. Je vais être très clair. Nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts. Cette haine n'a pas sa place. C'est totalement inacceptable. C'est tolérance zéro. D'ailleurs, devrait-on interdire les manifestations au Québec dans le contexte du conflit Israël-Hamas qui a des répercussions, on le sait, jusqu'ici au Québec? La question a été posée à M. Legault. Il n'y a rien d'exclu. En après-midi, à l'Hôtel de Ville, la mairesse et le SPVM ont lancé un appel au calme. Il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour l'intimidation. Pour revenir à Adil Sharkawi, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a confirmé par courriel être au courant qu'une plainte a été déposée au SPVM. Allez-vous arrêter le SPVM, Adil Sharkawi? Bien, pour le moment, c'est trop tôt pour nous de faire le commentaire à cet effet-là. Est-ce que ça préoccupe le SPVM? C'est sûr que ça préoccupe le SPVM, puis on le prend de la plus haute, au plus haut sérieux. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Puis ce soir, Adi, le calme est revenu sur le campus de l'Université Concordia après les affrontements d'hier, mais il reste encore un malaise. Oui, exactement. Je vous parle d'ailleurs en direct de l'Université Concordia où, Pierre-Olivier, j'ai passé pratiquement les 48 dernières heures et on a vu ces images hier, ces images d'affrontements entre étudiants pro-israéliens et pro-Palestine. Des images qui ont fait pratiquement le tour du monde. Le compteur sur certains comptes sur le réseau social X, Pierre-Olivier, a dépassé les millions de vues. C'est vous dire combien ces images ont semé la consternation partout dans le monde. Aujourd'hui, je peux vous dire que la situation, elle était rentrée dans l'ordre ici sur le campus parce qu'il y avait une forte présence policière, également beaucoup de gardiens de sécurité sur les lieux. Alors, les étudiants qui sont en faveur de la cause palestinienne, bien, se sont tournés plutôt vers le campus de l'Université McGill. J'ai parlé aujourd'hui avec plusieurs étudiants. Je vous laisse entendre ce que ça donne, Pierre-Olivier. J'étais très, très surpris de voir ça chez nous. Je sais que moi, je suis Libanais, alors je connais un peu qu'est-ce qui se passe dans,
dans ce coin du monde et je comprends les tensions qu'il y a des deux côtés. L'université se supposait d'être un peu plus... On garde nos politiques chez nous un petit peu et on vient ici pour étudier, on prend nos études et on sort. Je garde mes opinions à moi-même, avec mon cercle proche. The whole idea of it, about so many police officers kind of sitting outside, it is it's a bit alarming as a student. I'm first year, so it's not a great feeling seeing that. To be completely honest, it was very disheartening. I think no matter who you're supporting, violence should never, ever be the option. Par ailleurs, a dit, il y a un chargé de cours de l'Université de Montréal qui est dans l'eau chaude. Oui. Yanis Arab, il est chargé de cours à l'Université de Montréal. Hier, il était présent lors de ce rassemblement pro-palestinien ici à Concordia. Ce n'est pas sa présence qui a semé la controverse, ce sont les propos qu'il a tenus, des propos qui lui ont valu d'être l'objet de grandes critiques. Et d'ailleurs, l'organisation CIJAD demande à ce qu'il soit démis de ses fonctions. L'Université de Montréal se penche sur son cas actuellement. Et également, je vais vous dire en terminant que le cas de Éric Sabat, ce docteur qui a tenu des propos aussi controversés, fait l'objet actuellement d'une enquête au Collège des médecins Pierre-Olivier. Merci pour ces détails, Adi. J'en prie.